Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Ce soir, je reçois deux, pas chroniqueurs, mais deux invités extraordinaires. Nous allons parler d'abord de Joël Zabulon. Joël Zabulon, membre fondateur du JM Harmonie, auteur, compositeur, chanteur, que vous connaissez avec la bande à Mano, que vous appréciez beaucoup avec des chansons comme Zio, Pabé Césir. Ce soir, il est avec nous. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je vous propose de bien le regarder, de bien regarder son visage, de bien regarder Joël, parce que l'autre invité nous parlera de quelque chose dont c'est le métier, c'est-à-dire, elle est experte en beauté à l'international, et Joël, quelque part, en a fait les frais dans un premier temps, puisque je vous conseille de regarder. On en parlera après. Et je veux vous présenter ce soir Sève Formal. Bonsoir Sève. Bonsoir Mano. Alors, je ne sais pas comment te présenter. Est-ce que tu es guyanaise, martiniquaise, métropolitaine? Tu es à l'international, c'est ça? Alors voilà, je suis une citoyenne du monde, mais j'ai poussé mon premier cri de vie ici en Martinique. Donc tu es martiniquaise, très bien. Voilà, j'appartiens à qui veut. Alors, Sève, tu nous fais l'honneur donc, de venir ce soir sur Zouk Télévision pour nous parler de ton métier, qui est très intéressant, mais en plus, et je vous le dis, Sève sera avec nous sur la croisière de la bande à Mano, là, du 9 au 16 mars, c'est-à-dire qu'elle part avec nous jeudi, et elle a des choses à nous présenter, et je pense que vous serez contents et contentes, mesdames, puisqu'il s'agit surtout de vous, les femmes, mais ce n'est pas interdit aux hommes, vous pourriez participer aussi. Elle n'est pas sexiste, elle s'occupe de tout le monde, puisque je vous ai dit qu'elle s'est déjà quelque part occupée de Joël Zabulon. Comment te présenter, Sève? Experte en beauté à l'international, mais ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que je fais profiter de mon expertise à toute personne qui est sollicite. Et aujourd'hui, j'ai déjà travaillé sur les 5 continents de la planète. Donc, c'est une reconnaissance qui a été faite aux États-Unis, où je suis devenue talent exceptionnel depuis l'année dernière. Et donc, pour être talent exceptionnel... C'est un diplôme décerné par les Américains? Ah non, c'est Américains. Pas un diplôme, c'est une reconnaissance, c'est une reconnaissance. Au niveau de l'immigration. Ok, donc, d'accord. C'est une qualité pour migrer. Et donc, il faut des critères très précis, dont une reconnaissance à l'international, avoir comme clientèle des célébrités qui certifient par courrier écrit qu'ils ont fait appel à mes services pour quelque chose d'exceptionnel, eu égard à l'image qu'ils portent. Donc, je fais des célébrités. Et puis, je suis surtout formatrice sur des process de beauté dans des écoles ou des institutions dans différents pays du monde, comme souvent dans les pays du Maghreb. Je suis formatrice pour les galas de fin d'année. Ce sont des grands galas. Je suis sur un podium face à des professionnels, 300, 1000 personnes à qui je délivre des certificats sur les process qu'ils ont suivis avec moi, pour exemple. Je travaille au Brésil, en Espagne, au Portugal, en France, à Paris, aux États-Unis. J'ai déjà fait Haïti également, les D'accord. Antilles, enfin bon, un peu partout. D'accord. Donc aujourd'hui, le travail, c'est... En fait, tu as... Alors déjà, la carte verte, est-ce que tu as... Le Alors je suis résidente par... voilà, aux États-Unis, oui. Donc j'y suis depuis 6 ans maintenant. Donc, ça fait 6 ans que je suis là-bas. Il y a tellement de personnes qui traversent aussi hein, pour essayer d'avoir ça, et toi Il faut essayer. En fait, ce n'était pas un souhait de partir aux États-Unis au départ, parce que mon aventure commence en Guyane. Mm-hmm. Je suis une ancienne directrice des ressources humaines, et donc je me suis réorientée professionnellement parlant par opportunité. Donc, j'ai un peu plus de 10 ans maintenant dans ma reconversion. Et c'est par opportunité de sollicitation spécifiquement en Floride et particulièrement à Miami que j'ai décidé de partir voir en quoi je les intéressais. Et puis, finalement, moi aussi, j'ai eu un coup de cœur. Parce que, bon, quand on va à Miami en vacances et lorsqu'on envisage de s'y installer, c'est deux projets différents. Et donc, du coup, 6 ans plus tard, je suis encore là. Bien. Alors, je te propose de voir un petit film que tu as eu la gentillesse de nous envoyer. Mm-hmm. Ça nous permettra de mieux comprendre ce que tu fais. Et nous parlerons aussi donc, de la croisière de la bande à Mano, parce que tu feras des ateliers, au moins deux ateliers. C'est ça. Très rapidement, ça va consister à quoi ces deux ateliers? Alors, dans ce que je fais, j'ai beaucoup de publics différents. Donc, je fais des hommes, je fais des femmes, mais je fais aussi des personnes qui ont eu des accidents de la vie. Donc maladies graves, beaucoup de personnes atteintes de cancer, beaucoup d'hommes avec des alopécies,
Des hommes enfin, avec des alopécies, je ne connais pas, c'est quoi? Ben, un peu comme toi, au là, niveau bien, de ta chevelure. Des choses, des choses, d'accord. Tu vois, j'ai essayé d'être plus douce sur... bon. Non, mais là, je suis sûre que tout le monde a compris. Je savais de quoi tu parlais, oui, mais je ne sais pas si tout le monde l'avait et compris. Et donc, en fait, je fais du tatouage cosmétique et du tatouage médical. Donc, le tatouage médical visant à réparer donc, ces fameux accidents de la vie. Et donc, j'ai constaté au fil des années qu'il y avait une désestime des personnes elles-mêmes par rapport aux conséquences de la maladie. Et donc, j'ai décidé, parce que avant d'être technicienne de la beauté ou petite fée, comme on m'appelle aux États-Unis, j'ai fait beaucoup d'études supérieures. Je suis titulaire de plusieurs masters. J'étais directrice des ressources humaines. Donc, il s'agit d'une reconversion. Mais les études que j'ai faites auparavant me permettent de non seulement gérer mes affaires, je pense que ça y est pour beaucoup aussi pour mon expansion à l'international, mais également de pouvoir considérer au niveau de ma clientèle les besoins. Et donc j'ai développé cet atelier qui s'appelle l'estime de soi, en fait pour aider les personnes à traverser la difficulté, parce que dès lors qu'on a un accident de la vie, et pas que, ça peut être aussi des raisons de timidité ou d'état d'esprit à un moment donné de la vie, parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui varie tout au long de la vie pour plein de raisons, y compris son environnement. Et donc, j'ai décidé de développer cet atelier qui, à ma grande surprise, a eu un écho incroyable. Donc, je le propose beaucoup. Par exemple, je l'ai proposé également pour la Ligue du Cancer, pour laquelle j'étais ambassadrice l'année dernière. J'ai proposé des ateliers en tant que technicienne pour des soins complémentaires, donc visant à intervenir après les soins médicaux. Et donc maintenant, j'ai des entreprises, des grandes entreprises nationales qui commencent à me solliciter pour proposer cet atelier à leur cadre, par exemple. Donc sur le bateau, alors pour moi, c'est une première. Donc je suis toute chose de pouvoir prêcher la bonne parole de la beauté sur le bateau. Donc il y aura cet atelier estime de soi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est tout public. Faut savoir que parmi les personnes qui viennent à mes ateliers estime de soi, il y a aussi des professeurs de médecine, donc des gens qu'on pourrait s'imaginer qui ont tout et que ils n'en ont pas besoin. J'ai des cadres, j'ai des chefs d'entreprise, des avocats. Donc c'est vraiment des publics complètement différents qui ne sont pas seulement concernés par des accidents de la vie, mais également des gens qu'on pourrait imaginer complètement en phase avec leur personne et leur personnalité, alors que pas du tout. Et donc, et puis souvent, les gens sont surpris par là où j'ai amené le tatouage cosmétique, mais il y a une méconnaissance ou un manque d'information sur ce que c'est par rapport au tatouage classique, le tatouage de couleur visant à faire des dessins sur le corps. Et donc, j'ai décidé, il y a 3 ans, de proposer aussi des séminaires, des conférences, des ateliers pour expliquer la différence, déjà, entre ces 2 tatouages, ces 3 tatouages, donc le classique, le cosmétique et le médical, parce qu'on intervient aussi, par exemple, pour les personnes qui ont eu le cancer du sein. Alors, le tatouage cosmétique, c'est quoi ? Alors, le tatouage cosmétique, c'est tout ce qui est esthétique de base. Les sourcils, la liner, la bouche. Et on va parler de tatouage médical pour tout ce qui est reconstruction de l'aréole, les personnes atteintes d'alopécie, des choses comme ça. Tatouage pour camoufler les vergetures également. Donc, je me suis spécialisée, c'est mon côté atypique, dans toutes les techniques de tatouage visage et corps. Bien. Donc, c'est ce qui a fait ma particularité, mais je suis aussi diplômée dans tous les process de beauté, coiffure, soins de peau, maquillage, etc., etc. Donc, en fait, je propose j'ai une proposition globale. Et même si, lorsqu'une cliente vient de me voir pour un sujet, elle n'achète pas ou ne contracte pas pour un autre sujet, forcément, on y vient. Très bien. Vous allez pouvoir faire le 05 96 71 27 07 si vous souhaitez parler avec Siv, c'est formal, lui poser des questions ou encore parler de ce qui vous est arrivé dans la vie, si elle peut faire quelque chose pour vous. Mais pour l'heure, je vous propose de regarder un petit film qui parle, un film qu'elle nous a envoyé qui parle donc de sa profession. Et j'ai appris là que c'est la Guyane. Je croyais qu'on était à Miami. Hein. J'ai appris que c'est la Guyane. Ben oui, on a de très belles choses en Guyane. Et c'est ce que je vois. J'ai fait avec le concours de mon époux un établissement d'exception.
Je comprends pourquoi je vois des habits, on va souvent en Guyane. Je parle pas, alors qu'il n'est jamais venu chez nous. Non, je parle pas justement de ça, mais comme tu as dit qu'on a de très belles choses oui, en Guyane. Oui, on a de très belles choses et on a des talents également en Joël, Guyane. Joël, c'est l'excellence aussi. Ben, j'espère. Donc, il a fait appel à mes services. Très bien, on y va, Grégory. Alors comment commence mon histoire ? Mon histoire commence de manière très originale, dans un endroit tout aussi original puisqu'il s'agit de la Guyane française, ce bout de France perdu en Amérique du Sud, où il a été pour moi une question de vrai challenge de me réorienter puisque au moment où je rencontre celui qui m'encourage à me lancer dans les affaires, je suis directrice des ressources humaines. Je suis titulaire de diplôme d'enseignement supérieur, j'ai des bagages, mais lorsque je rencontre cette personne qui m'encourage à me lancer dans les affaires, je ne vois pas comment je peux exploiter ce bagage dans les affaires et en Guyane. Donc je lui propose à l'époque, puisque nous sommes en 2009, de me lancer dans l'esthétique de luxe. Et pour cela, il a fallu que je me rende sur Paris pour convaincre des enseignes très prestigieuses qui m'ont fait confiance. Et cette confiance n'a pas été vaine puisque aujourd'hui l'histoire a évolué et dans le bon sens. Donc je commence cette réorientation en tant qu'esthéticienne. Depuis, j'ai fait évoluer mes compétences autour du monde de la beauté dans sa grande globalité. On m'a connue au tout départ pour des soins de peau assez précis que j'ai pu proposer. La Tunisie a été le premier pays à me contacter autour de ces soins que je proposais. Et donc, aujourd'hui, vous me connaissez à l'international en tant que Sève Formal, fondatrice du concept Sève My Look autour du tatouage cosmétique. Le tatouage cosmétique est un univers assez particulier. Je ne suis pas tatoueuse seulement des sourcils, même si c'est la principale activité pour laquelle vous me consultez et que vous me voyez sur mes réseaux sociaux. Mais je fais aussi le tatouage du scalp, je fais le tatouage sur le visage, sur la bouche, l'eyeliner, les sourcils et une partie que j'apprécie particulièrement, le camouflage définitif des vergetures sur le corps. Donc je suis formatrice également, je suis technicienne du tatouage, connue et reconnue à l'international et je vais vous expliquer comment s'est déroulée mon aventure jusqu'ici. En 2009, l'idée est étalée sur papier, elle mûrit. En 2013, ouverture de notre première activité donc en Guyane autour de l'esthétique donc de luxe. Et en 2014, sous l'influence des résultats que j'obtiens avec mes clientes guyanaises, sous l'excellence que je me suis imposée, et d'ailleurs qui en est devenue mon slogan, l'excellence sinon rien, un slogan assez audacieux mais qui a eu un écho à l'international, je crée le concept Sève My Look qui trouve un écho américain en dehors des pays du monde que j'ai visité. Et officiellement, Sève My Look devient une marque, une reconnaissance. Et depuis mars 2022, je suis reconnue administrativement par les USA en tant que talent exceptionnel. Peu de personnes le savent, mais le concept Sève My Look concerne également nos messieurs qui me sollicitent pour le tatouage cosmétique de leur crâne dès lors qu'ils commencent à se dégarnir, mais également de leurs sourcils, oui mesdames. C'est un métier de rigueur, c'est un métier de grande discipline, c'est un métier qui m'a permis d'exprimer mon talent sur toutes les carnations de peau qui existent, c'est-à-dire de la peau la plus claire à la peau ébène la plus foncée. C'est un critère assez particulier parce que beaucoup de beauty experts, notamment que j'ai rencontrés dans le monde, n'ont pas cette spécificité. Je l'ai, ce qui m'a permis de venir à vous dans les pays dans lesquels vous m'avez invité. Je remercie encore tous les professionnels avec qui j'ai pu partager. Mais Sève My Look, l'excellence sinon rien, ce n'est qu'un début. J'ose à le rêver et l'imaginer. Nous avons pris
on te connaît un petit peu mieux. Mais voilà, je peux partir. Hein. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Tu ne nous as pas encore parlé de ce que tu as fait à Joël Zabulon. Ah. Et les téléspectateurs de Zouk Télévision n'ont pas encore commencé à appeler pour te poser des questions. Ah oui, bien. C'est vrai. Alors, moi, je voudrais parler aussi de la liposuction. Est-ce que ça fait partie de ce que tu fais ? Alors non, parce que la liposuction est proposée par les chirurgiens esthétiques. Oui. Mais je travaille en milieu médical, beaucoup. Aux États-Unis, je travaille dans deux cliniques. Et au Liban, où je vais me rendre bientôt, je collabore avec un chirurgien également. Et les liposuctions sont réservées aux chirurgiens en France. Mais quels sont ces fameux pays où ça se fait bien sans risque ? Enfin, il n'y a jamais zéro risque. Mais alors, voilà, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existant pas, il y a toujours un risque lié ne serait-ce qu'à l'anesthésie. Mais je suis ambassadrice d'une clinique en Turquie, je suis ambassadrice d'une clinique en Belgique flamande. Et j'avoue qu'en Turquie, j'ai vu de très belles choses. Moi, soucieuse de l'esthétisme, j'ai vu de très, 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 très belles choses. Bien. Je vais là-bas, je reviens avec des abdominaux, une chevelure, avec tout ça. Oui, c'est possible. Maintenant, c'est possible, oui. Mais on trouve ça en France, aux États-Unis, un peu partout. Mais c'est vrai qu'en Turquie et aux États-Unis aussi, bien sûr, j'ai vu de très belles choses, oui. Et on a une idée du prix ou ça va entre... Une chirurgie, c'est jamais donné. Hein. Oui, on a affaire à des médecins qui ont fait des années et des années d'études. Donc après, c'est l'opportunité de faire... Souvent, bon, c'est vrai que les voyages esthétiques, je fais partie de ceux qui appellent à la grande méfiance parce qu'il y a quand même un voyage, il faut se rendre dans un endroit où on ne connaît pas. Et puis revenir, qui assure le suivi, qui voit ce qui a été fait. Ouais. Donc en général, je propose aux gens, je leur dis, faites-vous opérer là où vous vivez, parce qu'au moins, il y a un suivi. Mais je prends mon cas, par exemple, j'ai souffert d'une pelade, les personnes qui me suivent le savent. Je vis aux États-Unis, donc j'ai fait ma première intervention aux États-Unis, qui a été un échec. Et j'ai profité de l'opportunité de me rendre en Turquie, où je travaille. L'année dernière, j'y ai travaillé trois fois dans l'année. Pour la refaire et ça a été une parfaite réussite. Donc c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Parfois on a des appréhensions par rapport à des pays où on pourrait s'imaginer où ça se passerait très mal. Mais là, en Turquie, en tout cas, de mon expérience, ça s'est passé de manière excellente. C'est quoi une pelade ? Alors une pelade, c'est une maladie qui intervient après un gros stress émotionnel. À me voir comme ça, on n'a pas l'impression. Je n'ai pas du tout senti de stress. Mais c'est vrai que le Covid a mis un coup d'arrêt à ma carrière internationale, pour le coup, parce que je me déplaçais énormément à ce moment-là. Et donc, je suis aussi chef d'entreprise. J'ai beaucoup d'employés. Donc, toute activité à l'arrêt, c'est vrai que ça a été un moment difficile pour moi, comme pour beaucoup d'autres qui ont payé beaucoup plus cher. Hein. Il y en a qui l'ont payé de leur vie. Il y en a qui ont perdu leurs affaires. Il y en a qui ont tout perdu. Leur famille, etc. Donc moi, j'ai perdu mes cheveux, je considère que c'est à moindre mal. Aujourd'hui, je vais mieux, ils ont poussé. Ma dernière greffe remonte à un an exactement. Et je suis sur 7 mois de pouce. Donc j'ai découvert aujourd'hui en Martinique que je pouvais m'attacher les cheveux. Donc bonne nouvelle, tout va bien. Très bien. Voilà. Alors, parlons de Joël Zabulon, notre invité sur le plateau, notre invité fil rouge. Oh là là, la star de la Martinique, le chouchou de ces dames. Eh oui. Oh, ça a été une pression. Pas seulement de la Martinique. Ah. La Guadeloupe, la Guyane, partout où Joël Zabulon se produit. Il y a un phénomène de masse. Moi, je l'ai connu en Martinique. Je le côtoie en Martinique. Il m'arrive de souvent aller manger, déjeuner, dîner avec lui. Parce que justement, je suis sa beauty experte, on peut le dire, Joël, maintenant. Absolument. Voilà. Et je suis à chaque fois impressionnée de constater comment les dames se l'approprient, se battent pour l'embrasser, pour l'enlacer, pour danser avec lui en plein jour, en plein restaurant. Non, c'est mon tour, non, c'est mon tour. Donc, j'ai pas eu de pression parce que Joël, c'est quelqu'un d'assez... qui, contrairement à la mentalité de Lille, ne se méfie pas et puis se moque un peu de ce qu'on peut penser. Et donc, je lui ai parlé du tatouage des sourcils parce que Joël n'a pas de sourcils, en tout cas très peu. Je n'en avais pas. Oui, mais j'ai voulu enjoliver l'histoire. Hein. D'accord. Et donc, c'est quelqu'un qui fronce beaucoup les sourcils, mais comme il n'en avait pas, ce n'était pas crédible.
Et au détour d'un déjeuner, je lui ai dit, écoute, je pense que ça serait quand même assez bien que je te fasse les sourcils et que tu puisses les froncer de manière complètement réelle. Il donc a accepté. Donc je peux les froncer maintenant. Il peut les froncer. Et personne de ce qu'il a pu me dire n'a remarqué qu'il en avait bénéficié. Donc, très peu de personnes, en fait. Moi, je n'ai pas remarqué. Ben voilà. Alors souvent, que tu le vois souvent. Les personnes qui ont remarqué, ça a été pendant le temps de la cicatrisation. Ah, puisque ça fait des croûtes, etc. Mais autrement, personne n'a remarqué. Donc, c'est vraiment des procédures unisexes. Hein. Les hommes, les femmes font la bouche. J'ai fait un homme... Tu vas faire la bouche, hein, Joël ? C'est ça, j'ai pas compris. Il en a pas l'utilité, mais pour les hommes, c'est souvent des corrections de muqueuses. Par exemple, j'ai fait un homme en Guadeloupe au mois de février parce qu'il avait une lèvre noire et une lèvre rose. Donc, ça consistait à rééquilibrer la teinte de la muqueuse. On peut le faire, hein, soit en un côté rose, du coup, et l'autre foncé. Bon, peu importe. Je lui ai proposé un autre équilibre. Mais je fais des tatouages de bouche aux hommes et des sourcils. D'accord. Beaucoup plus souvent des sourcils, oui. Alors, comment ça se passe lorsque tu décides comme ça pour un homme ou une femme hein, de faire des sourcils ? Est-ce que ça fait mal ? Et bah, comment l'opération ? Est-ce que tu as eu mal, Joël, pour ça ? Je n'ai pas senti grand-chose. Ah bon ? Tu peux préciser non, que je suis très douce. Donc, forcément... Je ne connais pas le nom de ses produits, mais enfin, elle a passé un truc qui m'a anesthésié. Enfin, elle a fait son opération, son intervention. Oui, c'est une microchirurgie, en gros. Voilà. Ça je n'ai pas senti grand-chose. Mal. J'entendais. Oui. Voilà, j'entends des bruits bizarres. Mais je ne sens rien. Tu avais les yeux fermés ? Non. Non ? Pas forcément, non. Non, à certains moments, oui. Oui, peut-être. Parce que comme tu as dit, tu entendais. Oui, j'entendais. Oui, parce que pendant la procédure, on entend. Je ne vais pas détailler, parce que ça risque d'effrayer, alors qu'il n'y a rien d'effrayant. Mais oui, il peut entendre en restant concentré, puisqu'il y a une certaine appréhension de départ. On sait, même si on est volontaire, on ne sait pas ce qui va se passer. Et selon les explications durant la consultation que je donne, il peut avoir justement un sentiment d'incertitude. C'est ça. Mais bon, il a été courageux, hein, il n'a rien dit. Je suis très douce, il faut le préciser. Donc ça contribue au fait que ça se passe bien. Et puis ensuite, résultat indétectable puisque très naturel. Alors, comment ça se passe ? Première chose, c'est... Alors, dans le cas de Joël, je lui ai proposé ce qu'on appelle le microblading, système du poil à poil, 100% indétectable naturel, qui devient transparent après la cicatrisation, puisque personne n'a remarqué. Et donc, après, il y a des contraintes pendant la cicatrisation, mais ensuite, roule ma poule, il fait ce qu'il veut. Enfin, très peu pour toi, parce que... Tu n'as pas eu mal après ? Non, pas du tout. Non, après, ça fait pas mal, mais il y a des précautions. Ne pas aller au soleil, ne pas faire ci, ne pas faire là. Ah oui, il ne faut pas aller au soleil ? Non. Ah, c'est mal barré pour moi, alors, ok ? Ouais, mais t'en as pas besoin, Enfin, moi, j'étais en train de penser à la chevelure. Ah oui. Mais moi, c'est trop tard pour moi, pour la chevelure, c'est foutu. Justement, le principe, c'est que puisque tu es complètement chauve ou discret au niveau de ta chevelure, le principe, c'est de faire croire que tu as une pousse d'une semaine. C'est tout à fait possible. Tu serais un bon candidat pour moi. Ah ouais ? Ah oui. Mais Joël va avoir une coupe à foule tantôt, non ? Ah ben, bah, là, je suis à son service, hein, vu que c'est... le chouchou de tout le bassin antillais, Guyane, etc. Il ne va pas falloir que je l'abîme, parce que je pense qu'on m'en voudra. Je pense que beaucoup de ses fans découvrent ce soir que j'ai pu le manipuler. Peut-être qu'elles vont aimer ou pas aimer, approuver, désapprouver, j'en sais rien. C'est terrible, hein. Mais après, bah, maintenant, je vais lui donner des conseils, comme une petite coupe de cheveux, ne serait-ce qu'avant la croisière, parce que quand même, il ne faut pas déconner. J'ai pas compris, mais bon. Mais je peux te proposer une coupe de cheveux, Joël, tout à fait. Bah, c'est dans mes prérogatives également. D'accord. Tu as les accessoires, hein. On peut en parler après. Donc, sur le bateau, Costa Fascinosa, notre croisière du 916. Tu seras avec nous sur ce bateau. Ben oui, vous allez devoir vous occuper de moi, hein, parce que je serai toute seule. Donc, vous allez faire la nounou. Ben oui. Oui, d'accord. Ben oui, parce que mon mari regarde l'émission, donc il disait, oui, ma femme, elle part sur un bateau quand même. J'espère qu'on va s'en occuper. Je ne dirais pas du tout que j'ai peur des bateaux.
Ah, parce que tu as peur du bateau? Non. D'accord. Moi, je pense que ton époux te connaît suffisamment pour savoir qu'il est une femme joke. Enfin, je ne sais pas si tu connais l'expression. Ah oui, je connais l'expression. Donc, il est une femme joke qui n'a peur de rien. Donc, ouais. Mais j'ai vu poser une dent quand j'étais petite. Ah oui, d'accord. Le film Poséidon. D'accord. Donc, il m'a déjà proposé de faire des croisières, j'ai refusé. Donc, bon, là, pour le travail, je suis très courageuse. Donc, ben voilà. J'espère que ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que tu vas proposer à nos amis sur ce bateau, Costa Fascinosa, du 9 au 16? Alors, je ne ferai pas de prestations sur le bateau, oui. Même si je sais que je serai sollicitée en ce sens, parce qu'il y a des contraintes, notamment de soleil, et je pense que ça serait quand même dommage de dire aux gens de ne pas faire ci, de ne pas faire là. Mais ce que je n'ai jamais l'opportunité de faire, ce sont des consultations en réel. Je fais toujours des consultations virtuelles, ce qu'elles trouvent dommage. D'accord. Et donc, du coup, comme il y aura, j'imagine, des Antillais sur le bateau et que je suis amenée à revenir en Martinique et que juste après la croisière je serai en Guadeloupe, donc les personnes qui le souhaitent pourront bénéficier d'une consultation avec moi sur tous les process de beauté. D'accord. Alors je précise qu'à la fin de l'année, pour les vacances de Noël, il y aura aussi la croisière du JMA Harmonie, où éventuellement si tu es dans les parages tu pourras là encore venir avec nous en c'est mer. Comme ça que tu invites une beauty expert sur le bateau, Mano? Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout ça, c'est pour te dire que durant les vacances, parce que jusqu'à maintenant, on ne faisait pas de croisière pendant les vacances, nous. Oui. Mais nous avons eu beaucoup de demandes de professeurs de, qui nous disaient, mais enfin, à quand nous allons pouvoir voyager si vous faites ça toujours en dehors des vacances scolaires? Donc nous aurons beaucoup de personnes au mois de décembre avec le JM Harmonie, et c'est l'occasion pour moi de leur dire, de se préparer, parce que cette croisière aura lieu avec des gens qui ont... Joël, le J du JM Harmonie, c'est Joël. Oui, et le M, c'est toi. C'est moi. Ouais. Mais autour de nous, l'harmonie, c'est les différentes personnes qui nous ont accompagnés tout au long de toutes ces années. Le JM Harmonie, c'est 1982. Donc, je n'ose même pas... Voilà, c'est très lointain. Je ne dirais pas que j'étais en couche encore à l'époque. Voilà, c'est très lointain. Et nous aurons donc le plaisir d'avoir des différentes personnes qui nous ont accompagnés. Monmas, Jean-Louis Mauville, France Renard, par exemple, wow. Et puis d'autres personnes, voilà. Donc... Tu es en train de me tenter. Ben, je pensais que tu étais déjà conquise pour cette croisière. Alors en fait, généralement, en fin d'année, je fais les galas dans les pays du Maghreb, ouais. Puisque je suis formatrice à l'international sur tout... En fait, ce sont des galas qui réunissent la Tunisie, le Liban, l'Algérie, la Libye, le Golfe, l'Arabie Saoudite, Dubaï, etc. Et j'ai l'immense honneur d'être la formatrice en esthétique sur ces galas-là. Il y a eu un stop pendant le Covid. Mm-hmm. Et ils m'ont rappelé cette année. Donc, il va falloir que je leur dise que ce n'est pas possible parce qu'il y a la croisière de JM Harmonie cette année. Voilà. Tu voyages en 380, je suppose. Certainement, j'en sais certainement. Rien. Certainement. Oui. Ils ne vont pas t'en vouloir. Tu fais juste un aller-retour d'accord. au pays pendant une semaine et d'accord. tu retournes là-bas. D'accord, je vais le leur dire. Je vais leur dire de postpone, de repousser leur date parce qu'il y a des priorités dans la vie. Voilà. Tout et à fait. Comment ça se passe aux États-Unis? Pourquoi la jeune Antillaise qui arrive là-bas et qui crée ça? Les Américains aiment ça, les gens qui créent. Oui. Les gens qui... Ce qui les intéresse, c'est le billet vers quelque part. Ils aiment les gens qui foncent. Comment ça, c'est passé pour toi, ton intégration là-bas? Je l'ai préparé, mon arrivée. Je l'ai voulu spectaculaire. Donc, j'avais modifié mon physique à l'époque. J'avais de très longs cheveux noirs. Je m'étais coupé les cheveux courts. J'ai les cheveux bouclés, ce qui n'est pas courant. Donc, je me suis faite remarquer. Est-ce qu'on va voir tout de suite à l'antenne les cheveux bouclés de Siv? Oui. N'est-ce pas, Gregory? Voilà. Ils aiment beaucoup. Et ensuite, la compétence. Parce que c'est vrai que les Français ont très bonne réputation en termes de compétences sur les domaines de la beauté, en général. Mmh. Alors, tous les Français ne sont pas excellents, je te le concède. Il y a des Américains qui sont également très bons. Mais c'était une bonne carte pour arriver. Française, experte dans des process de beauté, c'était bien pour arriver. Bien sûr, on m'attendait au tournant.
Donc on m'a beaucoup testé, on m'a beaucoup invité, on m'a, je pense, jaugé sur bien des points. Et 6 ans plus tard, je pense que j'ai rempli les cases, j'ai coché les cases. Donc je suis encore là, je suis ravie. J'ai encore plein de projets. Là, je vais rentrer aux États-Unis. Je fais des ce qu'on appelle des high profile. Ouais. Oui. Après la croisière. Oui, je fais la Guadeloupe et après je rentre à Miami avant de faire le Liban, la Tunisie et Paris. Et je fais des personnalités très importantes aux États-Unis. Je fais des célébrités également, comme je le disais tout à l'heure. Et ces personnes m'attendent. Et c'est en fait un chemin un peu en boucle. On me présente pour me présenter à d'autres et à d'autres. Et là, je reçois beaucoup de messages en ce moment pour me dire « Tiens-toi prête, parce qu'on a des gens à te présenter ». Donc, je ne peux pas encore dire qui, parce qu'il y en a pour qui je dois garder le secret. Je signe des contrats de confidentialité. Mais j'ai des high profile people, comme on dit, des gens très importants qui m'attendent et qui vont encore participer à l'épanouissement de Save My Look, à la condition extrême, bien sûr, que je reste dans l'excellence que je promeux. Mm-hmm. Et la suite de cette organisation, qu'est-ce que tu prévois ? Parce que là, tu es déjà à l'international. Ah ouais. J'ai des projets. Je vais sortir ma propre ligne de produits de cosmétiques cette année, en 2023. Des produits de cosmétiques pour les blacks ? Pour tout le monde. Parce que je ne connais pas ça, évidemment, mais les dames qui se maquillent souvent, elles utilisent toujours le même maquillage. Enfin, il y a un nom spécial. Black Up ? Je crois que c'est ça. Ça revient tout le temps. Oui, mais bon, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je suis diplômée de chez Makeup Forever, qui est la marque, enfin, Forever, qui était en tout voilà, cas la marque ouais. numéro un jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant qu'on se fasse détrôner par Rihanna. Et oui, il faut le dire, clairement. Mais ça ne veut pas dire que le produit est meilleur, c'est simplement la communication de Rihanna qui fait ça. Oui, et Rihanna, c'est une chanteuse, elle est magnifique, elle a une équipe incroyable, elle est soutenue par LVMH, donc... Oui, bien sûr, c'est Rihanna. Donc, les produits Makeup Forever sont toujours aussi bons, mais le pouvoir marketing est moindre. Donc, forcément, mais Makeup Forever est toujours sur les plateaux télé, les plateaux cinéma. Ça reste quand même une très belle marque. Il y a des académies de formation. Donc, je suis également maquilleuse. Mais moi, je veux sortir une gamme de produits de soins parce que je trouve que dans certaines régions, et je ne vais pas les citer pour ne pas... Les stigmatiser. On est encore au balbutiement de prendre soin de soi et je me surprends encore à rappeler à certaines femmes qu'il faut mettre une crème de jour, mais tous les jours, pas seulement si on a un projet amoureux ou un projet de sortie. Et les hommes. Et les hommes s'y mettent de plus en plus. Mais il faut qu'ils mettent une crème de jour ou une crème de nuit. Mais ma gamme va concerner, oui, encore une fois, les hommes et les femmes. Et la particularité de cette gamme, c'est qu'elle sera à base de lait d'ânesse, qui est le secret beauté de Cléopâtre, et donc fabriquée dans le sud de la France par un laboratoire je suis la première pour qui ils vont faire un produit. C'est-à-dire que d'habitude, ils développent des gammes pour d'autres laboratoires. Et je suis la première personne physique pour qui ils vont créer une ligne et la distribuer à l'international. Alors, je vais demander à Grégory, dans quelques instants, s'il peut nous passer le clip avec Joël Zabulon, Zir. Ça nous permettra de voir le Joël Zabulon d'avant. Oups. Avant qu'il passe... Entre mes mains. Entre tes mains. Et puis le Joël Zabulon de maintenant, le temps qu'il cherche dans les machines. Grégory, tu me fais signe, s'il te plaît. Puis on libère le téléphone. Vous pouvez faire le 0596-71-2707. Si vous souhaitez poser des questions à Save, c'est formal. Ou à Joël Zabulon, ou si vous voulez témoigner, est-ce que vous avez eu des, entre guillemets, des mésaventures en essayant de vous faire plus belle ou plus beau? Ça arrive aussi, des échecs. Ça ne m'est pas encore arrivé. Non, je ne parle pas de toi, ça se voit. Ça arrive, dans mon cas, ça ne m'est pas arrivé parce que toutes ces années plus tard, je considère toujours les mêmes procédures en faisant très attention à la personne et en ne m'inquiétant pas de savoir qui j'ai entre les mains, je travaille exactement sur Madame Lambda comme sur Madame Célébrité, en fait. Donc, alors, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux ces femmes qui veulent avoir des fesses comme les Antillais, les Antillaises ou encore comme les Africaines. Mais moi, j'aurais bien aimé, moi. Alors, c'est un système, je ne sais pas comment. Ça s'appelle le BBL, oui. Voilà. Mm-hmm. Mais par contre, il y a des résultats qui sont décevants. Il y a de vraies catastrophes. Alors, je crois avoir rencontré celui qui est le meilleur au monde dans cette technique. Ouais. Oui.
Mais le principe, c'est quoi? C'est prendre de la graisse ailleurs et puis... En fait, c'est de faire la liposuction d'autres parties du corps, essentiellement au niveau du ventre, des hanches et du bas du dos, puisqu'il faut resculpter le corps, et de réinjecter sur la zone des fesses pour avoir des fesses plus arrondies. Mais même les blanches, elles veulent avoir des fesses de femmes de chez nous. Bah oui, mais moi, j'aurais bien aimé. Parce que c'est pas parce qu'on est noir qu'on a des fesses forcément, de noir. Voilà, c'est ça. Et je connais des blanches qui ont des fesses naturellement bombées. Mm-hmm. D'accord. Bon, j'irai pas plus loin sur ces histoires de forme de fesses, d'accord. Grégory, mais c'est une inquiétude. Et je vois justement qu'il y a même des célébrités locales qui en ont, en tout cas en Guadeloupe, il y en a une que je vais pas citer non plus, qui l'a fait. Et il y a des gens qui c'est l'esthétique, c'est comme tout. Hein. Il y a des pour, il y a des contre. Et puis, il y a, tous les goûts étant dans la nature. Est-ce que ça a réussi pour elle? Ah non, mais moi, je ne peux pas me prononcer, hein, pas parce que j'ai des goûts comme tout le monde. je peux être pour... Moi, je suis pour la chirurgie esthétique dans la mesure où ça soigne un mal-être intérieur. Parce qu'on est d'accord que c'est parce qu'on se sent mal dans sa peau qu'on a envie d'un changement. Bien sûr. Ensuite, je remarque, du fait de mes voyages et de mes déplacements, que dans chaque pays, il y a une mentalité sur le sujet. Donc on va donner son appréciation sur des gens d'autres cultures. Alors le BBL, c'est une technique brésilienne au départ, et nous on va avoir un regard distant par rapport à ce qui se passe là-bas en donnant nos goûts d'ici. Maintenant les Brésiliennes, elles s'en fichent, elles aiment le BBL. Aux États-Unis, il y a beaucoup de Latinas, elles en consomment à foison. Donc on est qui pour juger de ce qu'a fait l'autre selon ses goûts? Oui. On n'est personne. Donc après, on ne peut juger que de ce qu'on peut avoir sur soi et le goût qu'on a pour sa propre personne. Alors j'ai remarqué qu'au Brésil, c'est vraiment tout le monde veut avoir un corps parfait. Oui. Les gens vont sur la plage, il y a de la musculation sur les plages. Oui, au Brésil, aux États-Unis. Au Brésil, aux États-Unis. En République dominicaine, au Liban, dans tous les pays du Maghreb, les gens sont très portés sur leur personne. Et souvent, quand on fait appel à mes services, quand je dis oui, on va faire quelque chose de naturel, ils me disent, mais Sèvres, je me suis levée ce matin, je me suis vue en naturel. Si je t'appelle, c'est parce que je n'ai pas envie de ressembler à la nana que j'ai vue ce matin. Donc après, bon, parfois, je dis parfois, il y a une espèce d'hypocrisie à la française où on fait des choses et on veut faire croire qu'on n'a rien fait. Donc bon, après, il faut laisser les gens vivre leur vie et faire ce qu'ils ont envie de faire, comme ils ont envie de le faire. Mais j'ai vu un reportage dernièrement sur le Brésil où vraiment c'est le corps. C'est le corps, c'est le culte du corps. Le culte du corps. Et les gens très tôt le matin qui vont à la plage, qui font de la muscu, qui font des choses. Et pour eux, c'est important. Bien sûr, aux États-Unis aussi, c'est comme ça. Aux États-Unis aussi, c'est comme ça. Oui, dans les pays arabes aussi, c'est comme ça. Même les Arabes s'y mettent. Ben, ils s'y mettent pas. Moi, je suis arrivée au Liban, j'avais l'impression d'être à Miami. Carrément. Ah oui, c'est les femmes, elles se maquillent, elles font des chirurgies, elles mettent des mini-jupes, elles se maquillent. C'est-à-dire, les voyages, ça ouvre l'esprit. Dans les pays asiatiques aussi, c'est comme ça. Mais ça donne envie de voyager en t'écoutant parler comme ça. Ah ben, j'espère. Quand j'ai fait le Liban et que j'ai beaucoup filmé, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était des voiles, comme dans certaines régions en Tunisie et au Maroc. Et non, je partage beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'a priori et on ne voyage pas. J'ai fait la République dominicaine où je suis en train de signer un contrat avec une clinique sur place. Et pareil, on me dit, oui, mais ça ne paye pas. Ben, ça paye comme aux États-Unis. Oui, j'ai fait Haïti. Pas, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on s'imagine que c'est la politique du pas cher, parce que la monnaie n'étant pas très forte, que je ne vais pas gagner ma vie, mais on va me payer comme aux États-Unis. J'ai fait Haïti aussi. Et Haïti, on m'a payé comme aux États-Unis. D'accord. Pas comme aux Antilles. Pas comme aux Antilles. Voilà. Très bien, on fait un petit tour du côté de la vidéo. On va regarder Joël Zabulon dans Zion. Oui, on se tire les sourcils. Ça.
Je ne vous dirai pas de quoi on parlait sur le plateau, seulement je sais que... Eh bien, moi, je peux dire. Quelques années plus tard, je... Tu apprends des choses. J'apprends des choses. Eh bien, dis donc. Mm-hmm. Ouais, c'est chaud, ça. Bien. Alors, 05 96 71 27 07, si vous souhaitez poser des questions à Save ou à Joël, ou encore nous parler de vos aventures, hein. Enfin, que je parle d'aventure, mes aventures plutôt, ou encore vos désirs, parce que franchement, à la Martinique, on n'a pas de chirurgien, je pense, plastique. Donc les gens ne savent pas vraiment s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller. Ils ont peur de franchir le pas. J'ai des amis en Guadeloupe qui me disaient, ouais, mais si tu vas là-bas, en Tunisie, au Maroc, et on voulait y aller aussi, mais on risque... Les gens ont peur, en fait. Oui, les gens ont peur. Mais chez nous, enfin, à la Martinique et en Guadeloupe, je pense qu'on n'a pas, en tout cas, de chirurgien très... Je ne vais pas dire diplômé, mais en tout cas, qui mérite... qui maîtrise et qui ont une grande expérience de tout ça. Mm-hmm. Et je suis sûr que chez nous, tant à la Martinique, à la Guyane ou à la Guadeloupe, nous avons aussi envie d'être beaux avec des abdominaux formés et tout. Il faut aller au sport, Manu, pour les abdos. Oui, mais j'ai pas le temps, enfin bon, ouais, d'accord. Voilà, donc on peut pas reformer ça, des abdominaux en faisant bien une chirurgie. Bien sûr, en chirurgie, oui. Ça se fait, c'est très à la mode d'ailleurs. Mais j'ai vu ça au Brésil d'ailleurs. Mais ça reste de la graisse qu'on sculpte, hein. Ouais. Bah oui. Donc je pense qu'une bonne séance de sport, ça, enfin plusieurs, ça parle beaucoup mieux et puis ça agit sur le mental aussi. Ça agit sur l'ensemble du corps, le mental, c'est la santé. Enfin, je parlerai bien de sport parce que j'en fais tous les jours. Donc, d'accord. Pour avoir une belle peau, pour avoir de beaux cheveux. Tout ça, c'est grâce au sport. Le sport participe au bien-être général. Est-ce que tu sais que Joël ne fait pas de sport? Je sais, mais c'est un combat quotidien qu'on a. Le physique qu'il a. Ben, donc, quelque part, tu te dis, c'est pas normal. Moi, je prends l'odeur d'un gâteau, je grossis. Oui, regarde comment il est. Non, alors Joël, si on peut en parler ou pas? Si on peut en parler. Joël a les allergies modernes. Il est allergique au gluten et au lactose, mais que lorsqu'il n'a pas faim. Donc quand il a faim, tout de suite, il arrive à switcher sur ce qu'il y a de moins dangereux ou pas en lactose et en gluten. Donc ça l'oblige à éliminer beaucoup d'aliments. Oui. Donc forcément, on en a parlé d'ailleurs hier soir, du fait que depuis qu'il a éliminé tous ces aliments-là, forcément, il garde une silhouette très fine. Mais je trouve aussi que ça affaiblit son métabolisme. Je trouve qu'il a une santé très fragile. Il est toujours à tousser, il n'est pas bien, il se fait des chirurgies. Non, mais ça, tousser, c'est... Non. Tousser, c'est... Tousser, ce sont les excuses pour ne pas chanter le samedi. Voilà, c'est ça. Donc, il se rend malade exprès. Non, il ne se rend pas malade, mais il te dit ma gorge, tout ça. Oui, il a toujours un problème de gorge ou de côte. Mais ça, c'est pour ne pas chanter le samedi. Il a des maladies. Alors, par contre, ce qu'il faut qu'il sache quand même, je pense qu'il le sait déjà, en décembre, si Dieu veut, il faudra qu'il chante, mal de gorge ou pas. Ah, parce que les gens viennent au concert du JM Harmonie, c'est pas pour ne pas entendre Joël Zabulon chanter. Oui. Moi, c'est pas important, j'ai chanté que deux chansons qu'on a connues, mais lui, il a que des tubes. Donc, il faudra qu'il chante. Ouais, mais bon, moi, d'autre façon, je vais chanter, mais bon, c'est pas ce qu'on attend, en fait. D'accord, on attend la star. Ah, je connais qui attend. Manu. Ah oui, bah, je connais. Moi, si je viens, je veux t'entendre. Hein. Ah ben voilà, par exemple. Oui. Bon, d'accord. Si. Comment? J'ai remarqué que chaque fois, je voulais essayer de me piéger en programmant une chanson que... Voilà. Mais il y a quelqu'un qui habite Trinité qui attend régulièrement que tu chantes la chanson, ou peut-être moins. Trinité. Oui. Je connais cette personne. Non. C'est même pas Trinité, c'est Robert. D'accord. C'est Robert. Mais on a essayé une fois et il ne connaît pas les paroles. Je ne connais pas. Mais c'est une chanson que j'ai enregistrée, c'est vrai, lorsque nous allions en France enregistrer. Deux secondes. Allô? On est avec vous tout de suite. Allez-y, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Saint-Pierre. De Saint-Pierre à la Martinique. Oui, on vous écoute. On vous écoute, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle de Saint-Pierre en Martinique.
Ok, vous êtes en ligne déjà, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, alors je voulais avoir une question pour Madame Fell. Et c'était pour savoir si vous faites des interventions en Martinique. Ben, on est en plein dedans, là. Je suis là, à votre service. Je fais des interventions en Martinique depuis l'année 2021. Et à cette occasion, je viens une à deux fois par an en Martinique depuis cette année-là. Mais je suis quand même venue six fois, hein, je crois, hein, ces derniers temps, parce que à chaque passage, je suis sollicitée pour un passage suivant, pour une mission en particulier. Donc là, je suis là jusqu'à jeudi, je fais la croisière et la prochaine fois, je serai en Martinique au mois de septembre. C'est déjà programmé. Et on peut avoir un rendez-vous avec vous ? Alors oui, il faut me contacter sur mes réseaux et à ce moment-là, je vous donnerai la marche à suivre. Alors dites-moi, madame, vous nous appelez, vous avez entendu l'émission, vous regardez depuis le début ? Vous m'entendez ? Ah, vous venez, mais vous avez loupé beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Vous voulez faire une liposuccion ou bien qu'est-ce qui vous intéresse vraiment en fait ? Alors, ce que je souhaitais faire, pour ne pas avoir des informations sur liposuction et pour une opération que j'ai fait et il y a des cicatrices. D'accord, très bien. Bon, là, c'est... Et vous avez quel âge, madame ? 37 ans. Bah, c'est une jeune femme. D'accord, donc Céva va donner les informations. Alors je rappelle, pour tout ce qui est chirurgie, il faut se rapprocher d'un chirurgien. Maintenant, s'il y a des cicatrices, j'interviens également sur le camouflage des cicatrices, si elles sont disgracieuses ou trop visibles. Mais pour tout ce qui est liposuction, les seins, enfin tout ce qui est chirurgie, c'est la compétence d'un chirurgien plasticien. Oui, j'ai déjà vu un chirurgien pour mes cicatrices et j'ai déjà passé plusieurs produits, mais ça ne sort pas. D'accord. Mais après, je fais des consultations virtuelles, donc on pourra en parler. Je pourrai éventuellement vous diriger vers quelqu'un. D'accord. Voilà. Quel est votre prénom, madame ? C'est Janine. Janine. Ok, Janine, merci beaucoup. De toute façon, avant la fin de l'émission, Steve donnera les informations, comment la contacter. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Janine. Merci pour votre appel. Merci et bonne soirée. Merci, elle est gentille. C'est vrai que les gens, des fois, n'osent pas appeler parce qu'ils ont peur qu'on reconnaisse leur voix. Oui, mais bien sûr, surtout, j'étais assez surprise hein, quand j'ai appris qu'il y avait la possibilité d'être contactée ce soir en direct. Parce que même sur mes réseaux, les gens ne réagissent pas sur les pages, mais toujours en privé. Ouais. Téléphone encore, Zouk TV, bonsoir. Allô ? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où ? Du François, pardon. Du François. Vous êtes à l'antenne déjà, tout le monde vous entend, on vous écoute. D'accord. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, j'ai pris l'émission en cours et j'ai zappé du moins. Et je suis restée sous votre antenne parce que je suis vraiment satisfaite de la présentation de Steve Forman, si j'ai bien dit. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Et puis, parce que je suis intéressée justement de la rencontrer pour avoir des informations sur ce qui concerne soins du visage, les sourcils. Oui. Et puis peut-être aussi, pas de consommation de corps, mais quand même des informations pour savoir comment faire pour entretenir mon corps qui n'est pas encore de jeune femme, quoi. Vous avez quel âge? Jeune femme, mais d'avoir un corps un peu plus agréable. Vous avez quel âge, madame? Ah, je suis... j'ai 72 années. 72 ans. Oui. Et vous avez une voix de jeune fille de 20 ans? Mais c'est ce qu'on me dit tout le temps. Ah ben, dis donc. Oui, tout le temps, on me le dit. Et puis, bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, maintenant, elle veut le corps qui va avec. Ouais. Non, pas spécialement le corps qui va avec. Non. C'est surtout en ce qui concerne l'alimentation, non pas le corps. Parce que moi, j'aime tout ce qui est sur moi. J'aime tout mon corps. Ah, maintenant, il y a un entretien. Oui, voilà, c'est entretien.
Mais moi, j'aime être bien coquette. Moi, c'est au niveau du visage parce que je ne trouve pas les soins nécessaires, les produits nécessaires pour pouvoir, pour ma peau, pour mon visage. Et ben, mais j'en crois tout le temps. Mais il y a Save My Look Cosmetics qui sort bientôt. Soins, je mets ma crème pour la peau et tout ça. Je fais tout ça. D'accord, madame. Mais je vous comprends parce que je suis dans le même problème que vous. Hein. Donc, il y a un nouveau produit de Save qui sortira bientôt. Mais vous allez noter tout à l'heure. On peut donner dès maintenant ton adresse, mail ou je ne sais pas. Moi, j'aime bien qu'on me contacte sur mes réseaux. Donc, Save My Look Beauty Expert sur Instagram. Ou bien sur mon WhatsApp, le 06 94 23 03 10. Avec, vous avez dit trop vite. 06 94 23 03 10 avec 23. Le préfixe Guyane. 23 ouais. 03 10. 23 03 10. Voilà. Et le préfixe, c'est plus 594. Oui, puisque c'est la Guyane. Plus 594. Mais en fait, c'était un numéro de Guyane qui est devenu un numéro international. D'accord. Donc, du coup, je réponds à ce numéro, quel que soit l'endroit dans le monde. Oui. OK. D'accord, madame. 394. C'est ça. Plus 594 06 94 23 03 10. D'accord. Alors, voilà. Plus 594 694. On ne remet pas le zéro. Hein. Oui. Bon. 594 23 03 10. D'accord, madame. De toute façon, si vous ne réussissez pas, vous appelez Zouk Télévision. On se fera un plaisir de vous donner les coordonnées de CIF. Pas les coordonnées américaines. Hein. Non. Parce que vous les avez aussi. Pas du tout. Ah non, non, moi je n'ai que ça, voilà. Je ne connais pas d'autres coordonnées. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, madame, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bonsoir, bonsoir. Et puis, félicitations pour tout ce que vous faites, madame. C'est gentil, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, madame, au revoir. Monsieur Joël Zabulon, au revoir, monsieur Granier. Bonsoir, madame, contente de vous avoir entendu cet après-midi, ce soir. D'accord. Alors, merci, on va... au revoir. Bonsoir, on va prendre notre appel. On rappelle que ceux qui seront sur la croisière de la Bonamano du 9 au 16 mars, donc de jeudi à jeudi prochain, Sève sera sur le bateau et elle va faire deux ateliers où vous allez pouvoir participer sur les ateliers, avoir des renseignements et puis discuter avec elle. Voilà, Zouk Télévision, bonsoir. C'est un cadeau de Zouk Télévision pour ceux qui nous aiment et qui nous... Je suis le cadeau. Mmh. Ta présence. Hein. Non, mais c'est une petite touche d'humour. Non, j'ai bien compris. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Dicos. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, baisser sur votre téléviseur? Comme ça, on va mieux s'entendre. Oui. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y. Nous sommes à votre écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mado. Bonsoir. Vous n'avez pas le nom de la dame. Save. S-E-V. Save. Salut. Mais il faut encore baisser sur la télévision. Ça nous pose des soucis. Alors, peut-être que le mari veut écouter aussi, mais bon, il faut t'écouter. Save. S-E-V. Je voudrais savoir si elle fait des soins du visage. Est-ce que tu fais des soins du visage? Pas quand je me déplace aux Antilles, non. Ah, d'accord. Ni les tatouages des sourcils non plus. Pardon? Les tatouages des sourcils. Oui, j'en propose, oui. D'accord. Mm-hmm. OK, il n'y a pas de problème. Vous êtes Je vais relever le numéro de téléphone, je vais vous appeler. Très bien, avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Avec grand plaisir, et madame. Je vais dire à Mano, quand tu chantes, toi, tu fais moitié blinde. Lâche-toi. Quand je chante, que je sois moins timide. Oui, quand tu voilà. La dernière fois que j'ai chanté, c'était en 1988. Tu te rends compte, c'est lointain tout ça. Donc aujourd'hui, avec tous les chanteurs de la Bonamano, tu penses bien que je n'ai pas envie de me ridiculiser, donc je ne chante pas. Voilà. Pourquoi? Mais je vais chanter pendant la croisière. Non, la croisière d'accord. Du JM Harmonie, je vais chanter. Je vais maigrir d'une part, je vais apprendre quelque part et... Eh bien, il faut profiter de ça. C'est ça, mais il est en train d'en profiter là, ça y est. Ouais, c'est gentil, d'accord. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Bisous à Jojoël. Gros bisous à Jojoël. À Jojoël.
Je te dis... Alors, donne-nous Dan, s'il vous plaît. Lorsqu'on dit gros bisous à Joël, mettez Joël à l'antenne quand même. Franchement. Ouais. Voilà. Ouais. Quand même. Bisous. Aïe, aïe, aïe. Bien. Merci. Toujours. Avec ses dents du bonheur, là. Bah oui, t'as les dents du bonheur. Bye bye. Allez, bonne bye soirée. Bye, merci beaucoup pour ton appel. Alors, je pense qu'il faudra prévoir, peut-être, c'est, ça dépend de ton planning, mais peut-être refaire une émission où on parlera de ta venue à la Martinique et de la possibilité de rencontrer des gens, donner des rendez-vous, de manière à ce que tu puisses rencontrer des gens, parce que les gens sont forcément intéressés par tout ce qu'ils ont entendu ce soir. Oui, hein. Je suis à ton service. Et tu passes ta vie dans des avions, Dubaï, je ne sais pas où, Liban et tout. Il faudra réserver une date pour la Martinique. Mais je reviens en Martinique au mois de septembre prochain. Voilà, mais c'est par déjà, exemple. C'est déjà calé. Je crois c'est que déjà... je suis là du 18 au 24 septembre. Et est-ce qu'à ce moment-là, pendant cette période, tu pourras recevoir des Martiniquaises? Ben, je viens pour elles. Tu viens pour elles. Enfin, bon, pour eux, parce qu'il y aura des hommes aussi. Oui, mais c'est surtout les femmes. C'est surtout les femmes, mais la tendance s'améliore concernant les hommes. D'accord. Ben oui. Alors, mesdames, est-ce que vous avez regardé Joël Zabulon avec ses sourcils d'avant et ses sourcils d'aujourd'hui? Ben non. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je pense que non. Parce les, que... les sourcils d'avant de Joël étaient beaucoup plus fournis que ceux que j'ai eu l'occasion de voir au moment où je lui ai fait cette prestation. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les êtres humains, tous autant que nous sommes, nous perdons des poils avec le temps qui passe. Ben oui, des poils partout, y compris au niveau des sourcils et sur la tête. Donc, il était autrement plus dégarni. Tu confirmes ou pas? Tout à fait, tout à fait. Au niveau des sourcils. D'où ma proposition. Ah, il était plus dégarni au niveau des cheveux aussi? Non. Non, il en a des cheveux. Mais oui, d'ailleurs, il en a même trop là en ce moment. Mais oui, une petite coupe. Mais au niveau des sourcils, c'était un vrai sujet. Parce qu'il a une tendance à vraiment froncer. Je ne sais pas d'où ça lui vient. C'est les bébés qui font ça habituellement. Et puis... je lui disais que c'était pas crédible en fait, ça manquait de matière pour que ce soit crédible. Et donc je lui là, ai proposé... maintenant qu'il y a des sourcils, je ah, peux mais foncer. Ah, mais en voix, bien sûr, mais maintenant voilà, c'est moche. Ça. Alors 05 96 71 27 07, si vous souhaitez poser des questions à Save, avoir ses coordonnées ou encore poser, si vous avez un problème qui vous tracasse, posez-lui des questions. Vous avez remarqué que c'est une dame très gentille, elle répond à tout le monde très gentiment. Elle a déjà pris Joël en main pour ses sourcils. Et elle revient en septembre. Zouk Télévision, donc 05 96 71 27 07. Et Grégory qui nous passera maintenant la promotion pour... Je ne sais même pas si c'est fait. La promotion pour le concert du JM Harmonie en décembre, Bilouf. Ou alors celle du 9 mars. Enfin, on fait une page pub et on revient sur le plateau. Et ils sont surpris. Croisière de la bande à Mano, affiche complet en janvier. Zouk TV vous propose le bis pour les retardataires. Le 9 mars, au départ de la Martinique. Et le 10 mars, au départ de la Guadeloupe. Passez une semaine de rêve avec des concerts. Des artistes invités. Des soirées karaoké en live. L'avion décolle. Il atterrit. Je t'aime. Des soirées nostalgie des années 80-90 avec le commandant Robert au platine. Pour participer, achetez exclusivement vos carnets de voyage à Zouk TV Voyage au 191 Route des Religieuses à Fort-de-France. Téléphone 0596 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.com. (05) 96 71 27 07, si vous voulez parler assez formal, experte en beauté à l'international. Vous avez vu les différentes images.
Et vous avez aussi sur le plateau de Zouk Télévision, Joël Zabulon. Nous partons jeudi 9 pendant une semaine. Donc, et c'est fera donc deux ateliers. Et ceux qui sont sur le bateau, ceux qui ont acheté leur croisière à Zouk Télévision pourront profiter donc de ces ateliers, permettre à Steve de les rencontrer éventuellement et leur donner des conseils. On va au téléphone, Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? La Montée. La Montée Martinique, Guadeloupe. La Montée Martinique. On vous écoute. Oui, bonsoir. 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 Je la m'entends. Oui, vous êtes à l'antenne. Allez-y, on vous écoute. Oui, je voulais demander à Sève ce qu'elle propose pour les soucis. Il faut baisser sur votre télévision, madame, en fait. Oui, je voulais demander à Sève ce qu'elle propose pour les soucis qui tombent. Les sourcils qui tombent, on va les redresser, tout simplement. Non. Je parle. Vous parliez des poils qui tombent tout à l'heure, des poils des sourcils, c'est ça que je parle. Oui. Ah, la chute des poils. C'est ça. Alors, il existe. Vous voulez quoi, que ça repousse? Vous voulez quoi, un procédé pour les faire repousser, c'est ça? Je vous demande ce que vous proposez. Alors moi, pour les faire repousser, je ne propose rien. Il y a des produits sur le marché qui existent pour faire repousser les poils des sourcils, mais aucun n'est efficace. Pour les cils, oui, il y en a qui sont très performants. Maintenant, lorsque vous perdez des poils au niveau des sourcils, moi, je propose le tatouage cosmétique de la méthode la plus naturelle à la plus sophistiquée, c'est-à-dire la plus naturelle version poil à poil. On a vraiment l'illusion que ce sont vos sourcils. À la méthode la plus sophistiquée, un peu comme les miens, qui sont plus dessinés. Vous avez entendu, madame? Allô? On a perdu. Vous êtes là, madame? On a perdu. On a perdu, c'est vrai. Alors, ah oui, d'accord. Moi aussi, okay. J'ai les sourcils tatoués. D'accord. Mais on a vraiment l'impression que ce sont de vrais, en plus. Oui, mais ce sont les vrais miens, puisqu'ils sont à moi maintenant. Donc oui, moi aussi j'ai les sourcils tatoués et j'ai commencé à les faire auparavant parce que j'ai fait une pelade également au niveau de mes sourcils il y a une vingtaine d'années et puis maintenant je les entretiens moi-même parce que je n'avais pas été, enfin sur le moment j'étais satisfaite de ce qui se faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui les méthodes ont évolué, la technicité a évolué, les produits ont évolué. Les rendus, selon les professionnels, ont évolué aussi. Et donc, j'ai continué à entretenir mon tatouage que j'entretiens moi-même, désormais, puisque je suis du métier. Et je les ai tatoués, oui. Si on pouvait donner un conseil à ceux qui voudraient faire une liposuction, quel pays? Ah, mais tu y tiens, toi, mais si, j'y tiens, mais bien sûr. mais je ne suis pas chirurgien esthétique. Je sais, mais tu connais. Oui, quel pays que tu aurais conseillé? Je voyage partout. Au Brésil, je côtoie des chirurgiens esthétiques. En France, je côtoie des chirurgiens esthétiques. Aux États-Unis, j'en côtoie aussi. Au Liban aussi, un peu partout. Si je donne un nom là, ou une destination, j'ai des problèmes là. Oui, c'est vrai, je comprends. Donc, il y en a partout des bons. La difficulté, et c'est ce que je dis, lorsqu'on décide de voyager pour faire ça, moi, je recommande de rester dans son pays d'origine. C'est-à-dire que les Martiniquais qui voudraient faire ça, ça serait l'idéal de faire ça en France, parce qu'il y a un suivi en cas de problème. Maintenant, il y a des pays étrangers où on fait très bien certaines prestations, mais le fait de voyager pour faire une chirurgie, je trouve quand même plus risqué que d'être chez soi, quel que soit le pays. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Maintenant, dans mon cas, je vis aux États-Unis, j'ai fait ma transplantation capillaire à Miami, parce que pour moi, c'était le plus logique. Je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, au moins je suis sur place. Maintenant, ça a été un échec, mais j'ai profité d'un voyage professionnel en Turquie, puisque je suis l'ambassadrice d'une clinique en Turquie depuis ce moment-là. Et j'ai travaillé 3 fois avec eux l'année dernière. Je travaille avec eux sur... des personnes post-cancer qui font des implantations au niveau des sourcils, de la barbe, même au niveau du torse, il y a des hommes qui se réimplantent des poils. Oui. Ah bon ? Et il existe tellement de techniques beauté dans le monde, on ne s'imagine pas.
Je l'ai fait parce que j'avais eu un loupé aux États-Unis et parce que les Turcs sont les meilleurs au monde sur la transplantation capillaire. Maintenant, si demain, moi, je suis très ouverte à la chirurgie, si j'avais besoin d'une chirurgie autre, je la ferais dans mon pays de résidence. Très bien. Voilà. On va au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, en fait, je voulais savoir justement, c'est-à-dire, est-ce que fève, on pouvait la joindre et en ce moment, jusqu'à quand elle est présente en Martinique? Et puis, est-ce que c'était possible aussi d'avoir un rendez-vous avec elle? Voilà. Alors, il va falloir me contacter sur mes réseaux. On a donné le numéro. C'est possible de le mettre en bannière, le numéro de téléphone? Oui, ou Google, oui, s'il te plaît, donc, va mettre le numéro en bannière. On va mettre le numéro en bannière, comme ça tout le monde y aura accès. Eh bien, ça aurait été bien. Voilà. D'accord. Et puis, savoir justement jusqu'à quand elle est présente en Martinique? Ben, je pars avec tout le monde le jeudi. Sur Costa Fascinosec, la bonne amano. Voilà, sur la croisière Costa. Mais on va avoir un premier contact avec les coordonnées que vous allez voir qui vont s'afficher. Et je vais vous expliquer comment je travaille et je serai de retour bientôt en Martinique. D'accord. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter, merci, madame? Et attendez, je prends mon téléphone. Je note. Attendez. Oui. Mais il va mettre la bannière. Oui, mais le temps qu'il fasse. Ah, ok, temps. D'accord. Alors, plus, vous êtes là? Oui, allez-y. Plus 594-694-23-03-10. C'est un numéro de téléphone de Guyane, si vous voulez. Idéalement par WhatsApp. Hein? Oui, par WhatsApp, voilà. Alors, plus 594-23-03-10. D'accord, entendu. J'ai voilà. Noté. Et ça aurait été bien, justement, en fait, que ça s'affiche aussi sur l'écran. Ça y est, ça s'affiche. Voilà, ça y est, vous l'avez. Et vous nous appelez d'où, madame? Génial. De Casse-Pilote. De Casse-Pilote. Très bien. Passez une belle soirée. Vous de même. Merci, merci madame. Merci, bonne soirée. On prend notre appel. WhatsApp. Zouk Télévision, bonsoir. Et on va rajouter WhatsApp à côté de ce numéro pour que les gens comprennent bien. Ah non, il n'y a plus personne, c'est ça? Ben voilà, tu as fait. Tu fais les Martiniquaises réagir. Tu as remarqué qu'il n'y a aucun. Il n'y a pas d'homme qui a appelé. Les hommes n'osent pas, mais ils me contactent beaucoup. Ouais. Sur mon pourtant, Joël, on a montré que Joël, timide oui, soi-disant, il hommes, est quand même si, là. Si vous allez sur mes réseaux, vous verrez des prestations sur des hommes qui ont été réalisées. Le mois dernier, j'étais en Guadeloupe où j'ai un homme qui est venu de Paris pour faire sa prestation, parce qu'il ne savait pas comment ça allait se passer. Donc, il a préféré venir en Guadeloupe et là, je vais lui faire sa retouche à Paris parce que j'y serai début mai. Donc les hommes me contactent mais jamais en public, jamais. Ils vont poser des questions en public parfois sur mes pages, souvent pour madame, et puis parfois c'est une demande pour madame et puis finalement ça finit pour eux. Ouais. Donc je suis pas inquiète, les hommes me contactent. Alors nous sommes sur la fin de l'émission, donc n'hésitez pas à téléphoner 05 96 71 27 07 si vous avez encore des questions à poser à Fave ou à Joël, et puis est-ce qu'il faut lui faire un relooking? Je ne sais pas. Oui, il faut lui en faire un. Ah oui? Il a besoin de ça? Oui. Alors c'est quoi le relooking pour lui? Ben, tu permets? Ben oui, ben, c'est ton job. Oui. C'est ton ah job. Oui, donc Joël a 60 ans, je suis tombée de ma chaise quand je l'ai appris, mais c'est vrai qu'en même temps, si vous avez 40 ans au mois de décembre, ben oui, il n'a pas 20 ans. Et oui. Parce qu'il a c'est un collégien, moi, il sort tout droit de 5e, là. Sac à dos, petit... il ne fait pas hyper mec, quoi. Donc oui, il faut lui faire un petit relooking et lui apprendre à s'habiller en fonction des endroits où il va, je pense. Non, ça c'était trop direct. Il faudrait. C'est un éternel jeune, il ne vieillit pas, c'est impressionnant, je le félicite parce que c'est pas grâce à moi. Mais tu le constates. Mais il sort de 5e, donc allez, 4e, pas plus. 4e, pas plus. Et en plus, il cultive le truc avec son sac à dos, son petit jean slim. Ah, il met des slims? Bon, un peu. Comme il n'est pas très gros, ça se voit en plus. Hein. Oui, parce que comme il est allergique quand il n'a pas faim, c'est les allergies au gluten. C'est hyper tendance d'être allergique au gluten.
Ce n'est pas une tendance. Là, pour lui, par contre, ce n'est pas une tendance. Je ne prends pas pour lui. Mais ça fait des années. Excuse-moi, j'ai dîné avec Joël hier et il était allergique au lactose jusqu'à ce qu'on amène du fromage quand même. Hein. Donc, dans le fromage, il y a du lactose. Mais je dis, moi, je ne vais, vais pas le dénoncer. Je ne peux pas le dire. Bon, très bon, bien. Bon, alors, c'est une allergie quand il n'a pas faim. Non, parce que sinon, quand il a faim, chaque il est plus allergique. Que JMA Harmonie ou la Bonne Âme Annonce se déplace, je demande toujours des mets sans gluten pour lui. Mais c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, les responsables obligent toujours. Donc, il est chaque fois forcé de manger, de manger autre chose. Oui. Ça le met de mauvaise humeur. Et il, voilà. Arrête de commander parce qu'il mange du fromage. D'accord. Donc je parle du gluten surtout. Ce n'est pas possible. Le fromage encore, ça peut passer. Le gluten, voilà, ça ne peut voilà, pas passer. Voilà, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Je peux t'en parler. D'accord. Il a mangé du gluten, il ne savait même pas. Bien. Il faut bah, pas toi, quand tu seras sur le bateau, sur Costa oui. Fascino, ça, ce jeudi 9. Je vais vous le faire 16. Grossir, moi, votre Joël. Voilà, donc de toute façon, je ne sais pas ce que vous prévoyez en dehors des prestations de la Bonne Âme Annonce et des ateliers que tu dois faire, mais je suppose que vous aurez à déjeuner shopping, ou à dîner non ensemble. Non, là, tu parles de descendre, mais sur le bateau. Donc, sur le bateau, ben, on va manger, on va boire. Et tu vas t'arranger pour que moi j'ai du gluten. Ah oui, moi. Ah, on va faire du sport, hein, prépare-toi. La salle de sport, j'y vais tous les matins à 6h30. Non, mais il ne faut pas aller la visiter. Hein. Faut aller faire du sport. Non, mais Mano, t'es mignon. Non, je vais faire du sport. Et tous les matins, je vous surveille. Hein. On fera du sport, tout le monde. Bon, ben, très ah, bien. Ah oui, je vais voir tout le monde 6h30, transpirer. 6h30, avant le café. Ah non, mais même 5h si tu veux, pas de problème. Surtout si le bateau bouge. Moi, je suis votre homme. Hein. Donc, et sport tous les matins, obligatoire. Ça, par contre, tu penses pouvoir inviter Joël à mais je ne l'ai pas invité, je l'ai sommé. Mon papa, qui m'a fait une travail à minuit, qui a joué musique. Mais on et puis aller à 6h du matin, dans la salle de sport. On pourra aller à 7h. Regarde, il fait sa star. Là. Voilà. Mais on dira, tout le monde fera du sport. Oui, c'est important. Tu as compris que ce que j'ai dit en créole? Oui, j'ai compris ce que tu as dit en créole. Il y a du progrès. Je ne te réponds pas parce qu'il me manque des mots, mais avec je te répondrai. Tu parles pas créole? Disons que je pensais que je le parlais très bien jusqu'à ce qu'on me fasse comprendre que ce n'était pas ça. Moi, j'étais au taquet et puis finalement, non. Donc, j'évite. Voilà, donc vous avez remarqué, Sève, formale, comment elle est. C'est une femme agréable, sensible, joyeuse et ouverte joyeuse. À tout le monde. En tout cas, ouverte à, comment dire, aux appels téléphoniques, donner des conseils. N'hésitez pas à l'appeler au 06 94 23 03 10. Elle sera en Martinique encore jusqu'à jeudi. Ensuite, elle prend le bateau avec la Bonne Âme Annonce où elle fera deux ateliers ou trois, ça dépendra. Ah, par contre, est-ce que tu chantes? Parce que mais oui, j'ai pu comprendre que tu vas chanter avec la Bonne Âme Annonce. Ah bon? Ben, les gars, on discute du contrat tout de suite. Hein. Ah oui, parce que je suis une américaine, il faut me payer. Oh là là, pour bénéficier de ma voix de rossignol. Et quelle je chanson, suis beauty artiste, quelle chanson chanteuse. Que tu vas interpréter? Mais moi, je ne sais pas, moi. Merci, il y a là un morceau de prédilection que je chante souvent, d'ailleurs. Ah ouais? Mmh. Ouais. Et t'as déjà opéré. Si. Je fais des arrangements pour elle en ce moment. Oh là, donc voilà. Oh c'est en plus des non, ateliers là, va contre, nous faire profiter de sa voix. C'est merci beaucoup en tout cas d'avoir ben, accepté de venir à Zouk TV. De m'avoir invité. Je sais que... je tenais en tout cas à remercier les Martiniquais parce que je voyage beaucoup et je trouve que je suis Martinique, bien. Guadeloupe, Guyane, parce que les gens nous regardent de ces non, trois mais départements. Tu me laisses finir. D'accord. Je suis en Martinique. Et aussi la communauté Facebook. Alors, je tenais à remercier particulièrement les Martiniquais puisque c'est ici que je suis en ce moment pour leur accueil. Très chaleureux. Ils ont une espèce de simplicité, une bonhomie. Les gens, ils sont très très ouais. Vrai, très nature, et j'apprécie particulièrement le sourire. Il sourit beaucoup, donc du coup, bah, moi aussi, ça me met la banane. Je fais un coucou spécial à la Guyane, qui m'a vu naître en tant que beauty expert. Donc, salut, la Guyane, et puis la Guadeloupe, qui va me recevoir bientôt. Voilà. Et puis, bah, toutes les personnes qui nous regardent de là où ils nous regardent. Alors, moi, je dis que tu es une femme simple, je pense que c'est vrai, oui. Mais les gens vont t'aborder pendant ce... cette croisière, évidemment, pas pendant que tu manges ou quand tu prends ton petit-déj, ouais, ou quand tu es dans la salle de sport, ou quand tu, voilà. Mais je pense que tu pourras échanger quelque part. Ah oui, mais les gens peuvent me
j'ai l'habitude. Enfin, quand je suis en mode boulot, parce que cette croisière, ça se fait sur un bateau, mais moi, je serai en mode boulot. J'ai l'habitude que les gens m'abordent. Il n'y a pas de difficulté. Je répondrai à leurs questions. Il y en aura beaucoup, surtout après les séminaires que je vais proposer. Ça, c'est certain. J'ai l'habitude. Donc, n'hésitez pas. Je suis tout à vous pendant cette croisière et profitez-en pour poser le maximum de questions. Alors, on va prendre cet appel, mais je veux juste dire pour ceux qui seront sur cette croisière que c'est vos deux ateliers, c'est le dimanche et le mardi, à partir de 16h, oui, sur le bateau. Donc, oui, vous serez... Donc, pas de sieste, hein. Il n'y a pas de sieste, vous sortez le matin, vous revenez déjeuner sur le bateau. Oui. Petite sieste quand même, et à 16h, vous venez pour, voilà, pour rencontrer Save le dimanche et le mardi. Déjà, ce que nous avons acté, mais par la suite, on peut prévoir d'autres choses. Allez, on prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, non, Grégory, on fait quoi? Oui, bonsoir, Mano. Allô? Eh ben, dis donc, Bruno, ça va? Ça va, Mano, je m'excuse pour le retard. Oui, je t'écoute. Mais je tenais absolument à te remercier. Parce que tu nous as... Ah oui, oui, bien sûr. Et alors, je salue, bien sûr, ton invité. Bonsoir. Madame Séverine, bonsoir, Madame Formal. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Particulièrement bien, quand je vous vois et regarde les émissions de Mano. Ah ben, permettez-moi juste de saluer Joël, Monsieur Zabulon. Bonsoir, Jojo. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci pour ton témoignage. Hein. Alors, tu transmettras le bonsoir à Jean-Pierre. Ah, tout à fait. Je tenais alors à remercier Mano pour l'émission. Mais je t'en prie. Et sais-tu, Mano, que j'ai dans mon carnet d'adresse le numéro du préfet et du président de la CTM. Ah bon? Alors, je les ai appelés. Mais oui, c'est pas une blague. Je les ai appelés pendant l'émission. Rassure-toi, c'est très positif. C'est pour leur demander s'ils m'autorisaient, en leur nom, à décerner le titre de talent exceptionnel à Madame Formal. Parce qu'elle l'est pour les États-Unis, mais il faut qu'elle sache qu'elle est désormais pour la Martinique. Oh. Donc, Madame Formal, ce n'est pas le préfet, ce n'est pas le président de la CTM, c'est un auditeur qui les connaît, qui a pris responsabilité. D'accord. Je vous décerne, au nom de toutes les Martiniquaises et de tous les Martiniquais, le titre de talent exceptionnel la Martinique. Je voulais vous demander, remerciant, hein, parce que c'est un vrai cours de beauté qu'on a pris, un cours de classe. Désormais, on n'a plus rien à envier à nos îles voisines, avec Rihanna, Beyoncé, parce que nous avons notre reine de beauté. C'est très rare, Mano et Joël, hein, une si belle femme qui s'exprime aussi bien. Parce que généralement, on a des misses, mais c'est vrai, elles ont des difficultés avec le test de culture générale et quand il faut s'exprimer en direct à la télé. Oh là là. Et nous avons aussi de très belles, des intellectuelles qui sont pas forcément belles, coquettes et féminines. Là, nous avons tout sur le plateau, donc on a de quoi se réjouir. Mano, c'est ma dernière question que je voulais poser à Madame Formal en la félicitant chaleureusement. Merci. Pour Save My Look Beauty expert. Oui. Donc vraiment, on est encore sous le choc, mais un choc ravissant, tout en beauté. C'est de nous donner un défaut, Madame Formal. Parce que vous avez donné une telle image de vous-même que personnellement, je vous mets sur un piédestal. Ben écoutez. Alors, mon cher Bruno, mon oui, slogan, c'est l'excellence sinon rien. C'est mon slogan depuis un peu plus de 10 ans. Et je me plie en 10 pour être à la hauteur de ce slogan. Donc, je vais vous décevoir pour ce soir. Mes défauts, je les conserve pour mon privé. Et je profite aussi de votre appel pour vous dire que je suis une Martiniquaise de naissance qui est très attentive aux affaires de la Martinique et de sa politique. Et j'ai été charmée par l'éloquence et le côté brillant de votre président de la CTM que j'ai cherché à rencontrer.
Et j'ai reçu une fin de non-recevoir de sa garde rapprochée, donc je le dis à l'antenne. Et c'est bien dommage, parce que je n'avais aucune attente, je n'avais aucune demande en particulier, si ce n'est de rencontrer ce grand monsieur que je tenais à féliciter également. Donc, ça a été une opportunité loupée, que je n'ai pas renouvelée, mais ce n'est pas grave. Mais je suis enchantée, ravie de vous avoir entendu, et je vous en remercie. Moi voilà, aussi, Madame Formal, ben justement, je vous rendrai ce service, puisqu'il m'est arrivé de jouer avec lui le dimanche. Vous parlez de Sergio, notre libéro. Oui. Donc j'essaierai d'arranger un petit rendez-vous avec lui. Je lui ai parlé en direct. J'ai parlé en direct par message. Il m'a renvoyé vers ses équipes, ce qui est tout à fait normal. Et je prends sur mais moi parce qu'il y a des traces écrites. Madame Formal. Non, parce je donne pas le si. Si, 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 après, si. Donne pas le si. Après, Jocelyne Béraud, hein. Non. Après, Pulvar, et Ludivine Vettori, c'est vous, hein, la plus connue. Non, mais notre ambassadrice de le monde, c'est vous. Pas seulement en Belgique, flamande et en Turquie, mais aussi dans le monde entier, aux États-Unis également. Vous c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais la personne que j'ai eue a émis une fin de recevoir et s'est entêtée à ne pas vouloir que je rencontre votre président. Mais je m'en suis remise depuis, ne vous inquiétez pas. Et habituellement, je ne cherche à rencontrer personne, c'est plutôt l'inverse. Donc, avoir une petite fin de non-recevoir de l'endroit où je suis née, c'était... Bon, ben, il fallait que ça m'arrive. Voilà mon défaut. Voilà, Bruno. Oui, et alors, merci à tous. Merci, je vous Bruno. Souhaite une très bonne croisière. Merci oui. beaucoup. Merci, mais Bruno. Ça commence dès jeudi. Dès ce jeudi, on sera à bord du bateau. Fascino ça. Rendez-vous et puis Mano. Ok Bruno, à bientôt. D'accord, ben bonne soirée à vous tous les trois. Merci. Ah ben, Joël et Mano. Merci Bruno. Merci pour tout, bye bye, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Merci à Marvin, merci à Grégory pour la réalisation. En tout cas, ça a été... Écoute, cette fin-là, elle est incroyable. Je suis flattée, je suis vraiment flattée parce que c'est vrai qu'on a tendance à les voir ailleurs si on y est. Bon, moi j'y étais, hein. Mais c'est vrai que d'être reconnu par les nôtres, ça fait des petits guilis, ça fait des petits guilis au cœur. Je comprends. Je suis très contente que tu m'aies reçue. Je suis très contente. J'ai fait une autre télé juste avant. Je les salue également. J'ai eu un reportage exceptionnel par Martinique la Première, si tu me permets de les citer. Et c'est vrai que cette reconnaissance-là, elle a une autre saveur et je l'apprécie tout autant. Donc merci énormément. Merci. Merci, Siv. Merci à Joël. Ça merci, va ? Merci, bonsoir. D'accord. Donc, Joël qui, évidemment, vous parlera de son aventure pendant cette croisière. Vous pouvez l'aborder. Ben oui. Il vous dira comment il a vécu. Il sera là aux ateliers. Il sera là aux on ateliers, pourra interagir voilà. avec les personnes. Je vous parlerai en de la douceur, c'est ça ? Exactement. C'est ça, voilà, l'extrême c'est douceur. L'extrême douceur. Voilà, tout à fait. C'est ça. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée à Marvin, à Grigouille, à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci pour vos appels. Et je vous souhaite de rester sur une bonne télévision qui s'appelle Zouk Télévision. À bientôt. Bye bye.